Good morgen, allez, Ida, tu te rejoins le Nishmat, bonjour Rabbi Shmuel, ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah Batrana, Rachel Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, si vous souhaitez, vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Tzevachim, Perek Zayin Mishnah Vav. Minayin la Omer, Arei Alayi Toda, Shelo Yavi, Ela Min Acholin, Shenemar, Vezavarta Pesach, Lashem Alokecha, Tzon Uvakar. Galo, En Pesach Ba, Ela Min Akvasim, O Min Aizim, Imken, Lama Nehemar, Tzon Uvakar. אלא להקיש כל הבא מן הבקר ומן הצון לפסח. מה פסח? שהוא בא בחובה, אינו בא אלא מן החולין. אף כל דבר שהוא בא בחובה, לא יבוא אלא מן החולין. לפיכך, האומר הרי עליי, תודה, הרי עליי שלמים. הועיל והם באים חובה, לא יבוא אלא מן החולין. ונסחים בכל מקום, לא יבוא אלא מן החולין. משנה, très simple, qui continue la משנה précédente, il faut juste rappeler quelques petites notions. Deux notions très simples en rapport avec le Maaser Sheni et le Maaser Sheni avec nos obligations. Le Maaser Sheni, c'est quoi d'abord? Lorsque je prélève, lorsque j'ai eu 100 kg de, j'ai récolté 100 kg de blé. Les prélèvements, d'abord un 1/50 au Kohanim, 2 kg. Après, il reste 98 kg. On va prendre le dixième, donc 9,8 kg, on donne au Lévi'im. Il va me rester 88,2 kg. Je dois prélever une deuxième fois un dixième. Qu'est-ce que je fais avec ce dixième? Donc 8,82 kg. Qu'est-ce que je fais avec ce dixième? Alors ça dépend des années. Ça marche par cycle de 7, où la 7e année c'est la Shemitah, donc il n'y a pas de Trumot ou Masrot, puisque c'est tout Efker. Il nous reste donc 6 ans. 2, 1, 2, 1. Aleph, Bet, Dalet, He, c'est Maaser, Sheni. Et Gimel, Vav, Maaser, Ani. 4 ans sur 6, je dois récupérer cet argent, ces pérotes, les amener à Yerushalayim et les consommer. D'accord? Et 3 et 6, il faut les donner aux pauvres. Maintenant, on va s'intéresser maintenant sur le Maaser Sheni. Je dois le prendre et l'amener à Yerushalayim et le consommer moi-même. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai des productions gigantesques et partir à Yerushalayim, ça demande d'affréter des camions, citernes entiers pour pouvoir apporter ma récolte et qu'est-ce que je vais faire à Yerushalayim? Alors, sur ça, on a une solution simple. La Torah m'a dit, si tu veux, tu pourras racheter la Kdusha des perrotes sur de l'argent. Donc je transfère le doucha sur de l'argent, je prends cet argent, ouais, quelques petits lingots d'or, je monte à Yerushalayim, et à Yerushalayim, là-bas, je vais acheter de la nourriture. Et je vais manger, si j'en ai beaucoup trop de nourriture, j'invite des gens avec moi à manger avec moi, et je dois tout consommer à Yerushalayim. La Torah a insisté maintenant qu'il faut à Yerushalayim. Maintenant, je vous donne une notion qu'on va utiliser que quand on va arriver tout à la fin. Tout à la fin de notre Mishnah, la Torah a insisté que l'on achète avec cet argent, on achète, petit problème technique, c'est pas grave, on achète avec cet argent que de la nourriture. Et on n'achète pas des choses qui ne se mangent pas, qui ne sont pas consommées par des hommes. Ouais. Il y a un passage dans la Torah qui me dit t'achètes du bakar, du tson, plein de toutes sortes de fruits, mais tu ne peux pas acheter, même de l'eau, on n'a pas le droit d'acheter. On peut acheter plein de jus, on peut acheter, mais on n'a pas le droit d'acheter des vêtements, on n'a pas le droit d'acheter des esclaves, on n'a pas le droit d'acheter... Par rapport à acheter des korbanot, en théorie, je peux acheter des korbanot shlamim, uniquement des shlamim. Pourquoi? Parce que shlamim, je vais manger, et je vais certes faire un sacrifice, mais toute la viande, la quasi-totalité de la viande, va être mangée. À part les chalavim, que de toute façon, le chalav, les graisses, que de toute façon, on ne doit pas les manger, quand on en fait un corban, il faut les faire monter sur le misbéach. Toute la viande, elle va être consommée par des hommes, c'est une consommation humaine, aucun problème. On donne une part au kohanim, et le reste, c'est mangé par moi-même, parfait, aucun problème. Je ne pourrais pas faire un corban hola. Pourquoi je ne peux pas faire une hola? Réponse très simple, la hola, tu vas la brûler entièrement sur le misbéach. On t'a dit de manger, on t'a pas dit de faire manger le misbéach. Fais manger des hommes. Mais pas le misbéach. Donc, on ne pourra pas faire une hola. En l'occurrence, je préfère fermer tout de suite ce sujet, comme ça après, ce sera plus facile. C'est exactement la dernière phrase qui se passe à la fin de la Mishnah. Lorsque l'on doit apporter des nesachim, par exemple, on doit apporter du vin chaque fois qu'on fait un korban, alors, étant donné que tu vas apporter du vin, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce vin? Il n'est pas bu par les kohanim, il n'est pas bu par le propriétaire, on le fait sentir sur le misbéach. Donc, les nesachim, dans toutes les situations, on ne pourra jamais les apporter avec l'argent du maaser sheni. Et quand on arrivera à la fin de la Mishnah, on expliquera un petit peu mieux, plus précisément, parce qu'il y a deux types de korbanot. Voilà pour la présentation générale du Maaser Sheni. Maintenant, il y a une nouvelle notion qu'on a évoquée dans la Mishnah précédente,
c'est que quelque chose que tu dois de toute façon dépenser de ta poche, tu payes de ta poche et pas avec le maaser sheni. Par exemple, je vais prendre un cas très simple. Apporter un korban khatat, la Mishnah ne va pas en parler, mais c'est le même principe. Si j'ai fait une avera sur laquelle on est passible d'un karet, je l'ai fait bishogeg, je dois apporter un korban khatat. J'ai oublié que c'était Shabbat, j'ai allumé quelque chose, j'ai transgressé. J'aime bien dire cet exemple. J'ai essoré le torchon pour nettoyer la table. Je ne savais pas que c'était assour au Shabbat alors qu'il y a un essour d'Oraïta. Quand je nettoie la dame, j'ai pris un torchon en fibre naturelle, en coton. Ouais, je l'ai passé sous l'eau, je l'ai frotté, je l'ai essoré, je suis parti, j'ai commencé à essuyer. Après, je l'ai re-rincé. J'ai transgressé à chaque fois que j'ai rincé. J'ai transgressé un interdit de Mechabès. Chaque fois que j'ai essoré, j'ai entendu j'ai transgressé Mechabès de nouveau. J'ai fait la balle. Je ne savais pas que c'était interdit. Eh ben, si grâce à moi vous avez appris maintenant que c'est devenu un essour de Waïta, alors prévoyez que quand le Beit HaMikdash va être construit, il va falloir apporter un korban khatat sur le fait que vous avez transgressé cette avéra sans savoir que c'était assour à cause de Mechabès de laver un linge. Ok ? Lorsque vous avez quelqu'un qui a maintenant un devoir, j'étais pas au courant que c'était assour, donc je l'ai fait, maintenant je vais faire tshuva, je vais apporter un korban au Beit HaMikdash, un korban khatat, puisque j'ai transgressé Shabbat Beshogeg. Ça, je suis obligé d'apporter ce korban khatat, puisque je suis obligé d'apporter le khatat, je ne peux pas l'apporter avec le maaser sheni. Maaser sheni, parce que davar shebechova enoba mina maaser sheni. Quelque chose que tu es obligé de payer, tu ne peux pas le faire avec le maaser sheni. Dans notre Mishnah, on va apprendre l'origine de cette halakha. Quand on a pris la Mishnah précédente, je vous ai expliqué la logique de la chose, quelque chose que tu es obligé de faire, tu ne le fais pas avec le maaser sheni, tu ne le fais pas sur le compte de l'argent du maaser sheni. En réalité, il y a un pasouk. Ça va être déduit, et c'est ce que la Mishnah va m'apprendre tout de suite. Minaïn la Omer Are Alay Toda. Une dernière petite parenthèse, hein, comme ça après on dit tout d'un coup. Il y a deux manières de faire un korban, Shlamim ou Toda. C'est que je dis Are Alay Toda, ou bien Are Ze Toda, Are Ze Shlamim. C'est-à-dire, lorsque je vais dire Are Alay Shlamim, je prends sur moi d'apporter un korban Shlamim. Donc qui c'est qui a imposé d'apporter le Shlamim? C'est moi-même. Lorsque j'avais un animal et je l'ai désigné, j'ai dit. Soit ce sera un shlamim, un reizé shlamim. Cette fois-ci, ça s'appelle une nedava, c'est plus un neder. J'ai désigné que cet animal-là, il sera shlamim. Ça m'engage en rien, c'est que lui qui doit être shlamim. Donc tant que lui, il est là, il sera shlamim. S'il n'est plus là, il n'y aura plus du tout shlamim. J'ai pas de devoir. Ça ne s'appellera plus d'abord chez Bechova. Je ne serai plus obligé d'apporter moi-même un shlamim. Mais je dois juste apporter ce comme un shlamim. Et donc il y aura une différence par rapport à notre Mishnah qui va être implicite entre les lignes, mais pas explicite. On commence tout de suite. Minaïn la Omer Are Alay Toda. D'où je sais que celui qui va dire Are Alay Toda, je prends sur moi d'apporter un korban Toda. Sheloyavi Ela Minacholin, qui ne devra apporter que de son argent personnel profane et pas de l'argent kadosh, Gdushat Maaser Sheni. Sheneemar, comme nous dit le verset, Vezavarta Pesach Lashem Elokecha Tson Ovakar. Il y a dans Parashat Re'e, c'est une des parashat qu'on lit Agav dans Chol HaMoed Pesach, où là-bas, on va parler du korban Pesach, une paracha entière, comment faire le korban Pesach de droite. Et là-bas, il y a un pasouk super bizarre qui me dit Vezavarta Pesach, l'Hachem Elokech Hatson Ovakar. Tu égorgeras le korban Pesach pour Hachem ton Dieu, Tson Ovakar. Des ovins ou des bovins. Du menu bétail ou du gros bétail. Maintenant, vous savez très bien que pour le korban Pesach, même en français, on l'appelle l'agneau pascal. On amène un agneau, on amène un petit mouton, on amène un petit... Ouais, c'est que ça vit Moseizim, un mouton ou une petite chèvre, mais on n'apporte sûrement pas un bœuf. Qu'est-ce que c'est qu'il y a écrit dans ce passage que tu dois apporter le korban pesach? Un bakar, un animal, un gros bétail, c'est pas possible. V'aloen pesach ba'ela mina kvasim ou mina izim. Comment c'est possible? Le korban pesach, il ne vient que des kvasim, des moutons, ou des izim, des chèvres. Qu'est-ce que tu me dis d'apporter tson ou bakar? Même du bakar, du gros bétail. Imken laman emar tson ou bakar. Dans ce cas-là, pourquoi le pasouk m'a dit tson ou bakar? Et là, les hakish, pour faire un hikesh, juxtaposer le korban pesach à tous les korbanot que tu vas porter en tson ou bakar pour t'apprendre. Kol haba mina bakar ou mina tson la pesach. Et là, les hakish, kol haba mina bakar ou mina tson la pesach. Pour juxtaposer le statut de tous les korbanot qui viennent du bakar ou du tson, tous les korbanot du misbéach. Qui vont donc venir soit des espèces du bakar, soit des espèces du tson, que tu vas le faire en hekesh, tu vas le juxtaposer avec un korban pesach, avec le korban pesach. Et tu vas prendre comme ça. Ma pesach shuba bechova enoba elamina chulin. Autant que le korban pesach, que tu es obligé d'apporter le korban pesach et que tu ne pourras pas l'apporter du chulin.
Entre parenthèses, on ne sait pas pourquoi c'est assourd d'apporter le Corban Pessah Tchoukoulin, on va l'expliquer ensuite. Mais en tout cas, c'est une évidence que tout le monde est censé savoir déjà avant de commencer le Shiur ou la Mishnah. Donc tu sais bien que le Corban Pessah, tu ne peux pas l'apporter que du Khoulin, de ton argent profane, et sûrement pas du Maaser Sheni. Alors de ce fait, c'est pour ça que le Pasuk était rajouté Tson ou Bakar pour juxtaposer Bakar ou Tson pour te dire tout ce que tu vas apporter de le Corbanot, Af Kol Davar Shiuba Bechova. Idem pour tout ce qui vient Bechova, que tu dois apporter en Korban Chova, alors lo yavo ela minachulin, que tu ne pourras l'apporter qu'avec ton argent profane. D'accord ? Donc finalement, c'est très simple, tout ce qui a été dit, ça a beaucoup rallongé, mais c'est très simple. La Torah, elle a rajouté deux mots. Elle a dit, tu feras, quand tu vois le Korban Pessah, tu l'apporteras avec du menu bétail et du gros bétail, aucun rapport avec Pessah, pour te faire une juxtaposition entre tous les korbanot en fait que tu vas porter. La Torah elle inclut ici pour te faire une allusion en fait que tous les korbanot ils sont juxtaposés au korban Pessah, autant que le korban Pessah tu dois l'amener de ta poche personnelle et pas du Maaser Sheni. Idem pour le korban Pessah, tu dois le payer de ta poche. Pour tous les korbanot, tu dois les payer de ta poche, tous les korbanot que tu es imposé d'apporter, tu dois les payer de ta poche. Tu dois les payer de ta poche et pas du Maaser Sheni. Maintenant, d'où le Corban Pessah, sait-on que l'on doit le payer de sa poche personnelle et pas du Maaser? Ça, c'est pas écrit dans la Mishnah. Alors, on a besoin du Bar Tanora. Le Bar Tanora, il va nous dire quelque chose de très simple. Il y a de nouveau un Hekesh entre le Corban Pessah, les Dorot, et le Corban Pessah, Mitzrayim. Nos ancêtres, ils ont fait un premier Corban Pessah lorsqu'ils étaient en Égypte, et depuis, on fait à chaque génération... On fait le Corban Pessah. Il y a un Hekesh entre les deux. Ouais, il y a marqué Ve'avata et Avoda Azot Bachodesh Azeh. C'est plus qu'un Hekesh, c'est un Itour. La Torah a insisté. Tu referas exactement le même Corban Pessah, maintenant, deux minutes. Lorsqu'on était en Égypte, question. Est-ce que là-bas, on pouvait apporter le Corban Pessah avec du Maaser Sheni? Bien évidemment, non. Il n'y avait pas de Maaser Sheni en Égypte. On n'était pas encore en Israël. Il n'y avait pas des mitzvot, toutes les mitzvot des agricoles. Il n'y avait pas trop de prélever les troumots ou maasrot. Donc de ce fait, en Égypte, il n'y avait pas de maaser. Pas d'argent de maaser sheni. Idem pour les générations à venir, vous n'apporterez pas le Corban Pessah de l'argent du maaser sheni. Et du Corban Pessah, tu vas prendre pour tous les autres corbanot. D'accord? Donc on a clos un sujet. Pendant le shiur, je me suis soulevé une question très intéressante, mais je vous la dirai à la fin. Peut-être ça vous laissera chercher et apporter peut-être des réponses. Les ficar, de ce fait, puisque j'ai juxtaposé maintenant le Corban Pessah aux les autres Corbanot au Corban Pessah, je déduis de l'Alfikar, de ce fait, à Omer Are Alay Toda, celui qui va dire « Je prends sur moi d'apporter un Corban Toda », mais qui dit « Je prends sur moi », donc c'est devenu quelque chose chez Bechova, ou encore il dit « Are Alay Shlamim », « Je prends sur moi d'apporter un Corban Shlamim », donc j'ai un devoir personnel d'apporter un Corban Shlamim, « Ho il vehem ba'im Bechova », puisqu'ils vont venir en tant qu'obligation, puisque je suis obligé d'apporter un korban, à la différence si j'avais dit que celui-ci, ce sera un korban shlamim. Alors là, je dis que moi, j'ai un devoir d'apporter le korban, donc c'est quelque chose qui est babechova, lo yavou, ela, minachulin. Ils ne pourront, de ce fait, ne venir que du chulin, que de l'argent qui est profane. D'accord? De ton argent personnel. Et sur ça, maintenant, la Mishnah, maintenant, il manque une petite transition pour mieux comprendre l'expression qu'on va voir dans le prochain. C'est de bien rappeler ce que je vous ai dit tout de suite là. C'est que il y a deux manières de formuler pour s'imposer d'apporter un korban shlamim. Soit je dis arei alai, j'ai un devoir personnel d'apporter le shlamim. Soit je dis arei ze shlamim, que ce korban là, cet animal là, il sera shlamim. Avec cet argent, je vais acheter un korban et je vais dire, avec l'argent de ma sœur Chani, je peux acheter un korban et dire, je veux le faire shlamim, celui-là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'obligation personnelle. J'ai juste dit que lui, il sera shlamim. Maintenant, malgré tout, pour tous les korbanot, il faut apporter des nesachim. La Mishnah me dit, va nesachim, bechol makom, les nesachim, le vin que tu vas ensuite offrir aussi au misbéach. Dans tous les cas, c'est-à-dire que ce soit un devoir personnel ou un devoir. T'as dit à réaliser que tu vas apporter le Korban Shlamim avec l'argent du Maaser Sheni, malgré tout, à Nesachim, quand tu vas devoir apporter les oblations de vin, lo yavo et la minachulin, tu ne pourras les apporter que de ton argent personnel. Et pour quelle raison? Réponse simple, parce que cette fois-ci, tu ne vas plus les consommer toi-même, tu vas les verser sur le Mizbéach.
Donc il n'y a plus de consommation humaine. Tu n'as pas le droit de dépenser l'argent du Maaser Sheni pour brûler sur le Misbéar. Tu dois nécessairement manger au même titre que tu ne peux pas apporter des corbanes Ola. Pendant que je vous ai parlé, je me suis soulevé une question très intéressante. Est-ce que je peux apporter avec l'argent du Maaser Sheni un Khatat Ha'Of? Un Khatat Ha'Of, un corban Khatat qui vient d'une volaille, Turim ou Bnei Yona, qui est consommée par les Kohanim. On verse rien sur Misbéar si ce n'est juste asperger le sang. Donc c'est quelque chose chez Bechova, j'ai un devoir de le faire. Mais j'ai un problème technique. Que si on apprend quelque chose qui est Bechova du Ekech, parce qu'on a juxtaposé Tson ou Bakar au Korban Pessah, t'as dit Tson ou Bakar et t'as pas dit Off. Donc en théorie, ça devrait être permis. Et c'est sûr que c'est assourd, je sais pas pourquoi. Réfléchissez à la question, peut-être il faut chercher, peut-être j'ai pas regardé dans les livres si quelqu'un en parle. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. Batzlacha, kol tov, b'salam.